Bonjour, aujourd'hui on est à la Chaux-de-Fonds devant l'entreprise Galvamat. Aujourd'hui on va rencontrer Quentin, apprenti automaticien. Salut. Salut. Quentin. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce que c'est le métier d'automaticien? Alors le métier d'automaticien, c'est s'occuper de machines automatisées un peu qui fonctionnent par elles-mêmes. J'ai choisi ce métier parce que je trouve que c'est assez varié. On peut faire de la mécanique, utiliser des perceuses, faire du câblage, on peut s'occuper de l'électricité. On peut aussi faire peut-être de la pneumatique, utiliser l'air, tout ça. Et à quoi sert cette machine? Alors cette machine ici qu'on a là, c'est un sécheur. Donc on peut venir mettre des pièces à l'intérieur, tout ça. Puis il va y avoir un courant d'air chaud qui circule. Donc concrètement, ça fait quoi sur cette machine? Alors moi, sur cette machine, je me suis occupé du câblage, donc tout ce qui est un peu électrique, tout ça. Je me suis occupé de mettre l'écran tactile, tout ça, de programmer un peu les cartes. Donc ici, là, j'ai mon câble de chauffage qu'on doit encore raccorder. Et puis après, une fois qu'ils sont dénudés, on va venir les mettre ici dans ce bornier. Donc je mets le petit tournevis. Tu mets dans la petite partie du dessus, là. Oui, puis t'appuies bien. Comme ça. Ah oui, d'accord. Tac. Puis tu viens le mettre dans le trou qui est en dessous. Là, si tu tires dessus. Ouais, il tient. Tu vois qu'il tient. Donc maintenant, le câblage est fini. On va voir si la machine fonctionne. Notre machine est enclenchée. On va pouvoir s'occuper des paramétrages du variateur vu qu'il s'est allumé. Là, on voit. Donc on voit P101 est égal à 400. Ici, on voit P101. D'accord. Et nous, on veut. 400. On veut qu'il soit à 400, donc on va vérifier. C'est déjà possible qu'il soit à 400, mais donc là on voit, il est à 400. Puis on fait ça pour chaque paramètre, pour voir s'il y a tout qui joue, puis après ensuite on pourra enclencher la machine, puis voir si elle fonctionne. Donc là, une fois nos paramétrages terminés, on va faire quelques tests. Donc là, on peut régler plusieurs choses. On peut régler la vitesse du moteur. On voit qu'il a 9 rotations par minute, et puis ça, on peut le régler, tout ça. C'est le client qui choisit les paramètres. D'accord. J'aime bien ce métier parce que c'est un métier qui touche à plusieurs domaines, dont la programmation et la mécanique. À mon avis, pour ce métier, il faut être précis pour pouvoir faire de la soudure ou du câblage et aimer le travail d'équipe.